Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 13h41 ici à la gare Montparnasse. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Ce matin, ou depuis quelques jours, je vois les voix s'élever par rapport à son Excellence Alain-Claude Bidébizé, ancien Premier ministre du pouvoir déchu. D'entrée, je dirais qu'il serait inopportun et malheureux de notre part de ne pas reconnaître que M. Binobindé est un bon tribun et que, comme je l'ai toujours dit, le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Il a fait preuve de résilience, il s'est battu pour un enfant de la rue. Pour quelqu'un qui a connu les difficultés dans sa vie, même l'interdiction de continuer ses études, d'arriver jusqu'au poste de Premier ministre, nous avons l'obligation de respecter son parcours. Hein? Pour des personnes sérieuses et bien assises, nous avons l'obligation de louer son courage et surtout son savoir-faire, même si. Dans l'exercice des fonctions qu'il a occupées, il a failli par naïveté ou bien parce que c'était le système qu'il avait absorbé. Mais je vois les uns et les autres se battre en présentant M. Bilibindi comme étant un épouvantail. Pour moi, ce n'est pas un épouvantail. Je dis, le problème, il est simple. L'actuel patron de la transition, Son Excellence, M. Brice Clotaire-Oligui Nguema, est un métis. Son père est un Fang, donc de la même ethnie que Bilibizé. Sa mère est une Obamba Teke du Haut-Ogooué. Donc le problème est simple. Moi, je pense que le cas Bilibizé doit être réglé par les Fang. Parce qu'il faut qu'on se dise les choses clairement. Depuis l'avènement de M. Brice Clotaire-Oligui Nguema, les Fang ont tout eu. Et je constate, pour le regretter, que ils se sont spécialisés dans le chantage à outrance. Et M. Brice Clotaire-Oligui Nguema a toujours a failli là-dessus. Il a cédé en leur donnant un certain nombre de postes, en brimant une bonne partie des Gabonais. En brimant une bonne partie des sudistes, je dis que chacun assume ce qu'il fait. Mais nous qui sommes altogovéens, n'oublions pas que, au-delà de tout ce qu'il peut faire, au-delà de tout ce qui est mauvais, au-delà de ses choix politiques, il y a une chose que nous ne devons pas oublier en tant qu'altogovéens. C'est que ce monsieur nous a sortis de l'impasse. Parce que j'avoue très sincèrement que si Ondossa serait passé président, nous qui venons du Haut-Ogooué là, nous serons des objets, des chiffons. Il faut qu'on se le dise. Mais comme nous on dit que le sein de la mer, même si il y a la gale là-dessus, même s'il y a des microbes, même aucun enfant ne peut refuser le sein de sa mère. Et aucune mère ne peut jeter son enfant avec l'eau du bain. C'est pour cela que nous qui sommes dans le Haut-Ogooué, nous avons l'obligation de le soutenir contre vents et marées. C'est vrai, vous allez dire que bon, j'ai des positions qui sont souvent tranchées, mais je dis, il y a une vérité qui est là. Il y a un défi entre les Fang. Dans leur entièreté désormais, et les sudistes. Donc, le référendum est là pour trancher. J'attends de voir le comportement des femmes, eux qui ont tous les postes, eux qui ont tout eu. J'attends de voir. Même si nous, dans le Haut-Ogooué, à Moanda, Mounana, Bakumba, Ndiogo et autres et tout, nous n'avons pas eu de postes, c'est vrai. Mais nous n'allons pas pour autant jeter Brice. Il est mauvais, d'accord, mais c'est le nôtre. On fait comment? Donc, attendons le référendum.
les fanchons dans l'estuaire, dans le Gouet maritime, dans le moyen Gouet, dans le Gouet Vindo, dans le Wellington. Mais j'attends un plébiscite. Il reviendra à eux de choisir entre Milebinze et Brice Clotaire Oligingema, qui a le sang franc dans ses veines. Milebinze a dit qu'il se battait avec la dernière énergie pour que le non plus triompher. Il n'a qu'à se battre. S'il est soutenu par les bongos nous diront ce qu'ils nous reprochent. Malgré la mauvaise gouvernance d'Ali, nous avons été toujours là. Malgré la mauvaise gouvernance de feu le grand maître Omar Bongo, le Haut-Togo a toujours été derrière les bongos. Maintenant que c'est un autre togovéen, qu'il soit 50% togovéen, qui est aux affaires, ça devient maintenant un problème avec les bongos. Donc à partir de cet instant, je suggère que les bongos veulent désormais être avec Milebinze, mais qu'ils ramassent leurs choses du Haut-Togo. Que Brice Clotaire Oligingema limoge tous ceux qui sont là, tous les bongos. C'est sur ces mots que je m'arrête.